Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui, unboxing de la Neon Box du mois de janvier. Allez, c'est parti. Mais c'est moi qui ouvre. C'est moi qui ouvre. J'aime bien ouvrir les boîtes. Oui, bah moi aussi. Il a ouvert les dernières, c'est à mon tour maintenant. Et c'était catastrophique, mais moi j'ai bien aimé. Pourquoi c'était catastrophique? Parce qu'il y avait trop de scotch en fait avec l'exploratologie. Ah oui. Je parle pas forcément pour la Neon Box. Parce que la Neon Box en fait, il y a juste... Alors, on va vous montrer l'intérieur. Voilà, on voit rien parce qu'il y a une sorte de carton et il y a le... Il y a ça là, le résumé. Alors, le résumé, on le regarde pas. C'est celle de janvier du coup. On peut juste regarder la... La découverte du Japon. En fait, de l'autre côté, il y a un petit blabla. Hop là. Donc c'est spécial nouvel an visiblement. Tous les mois, apprenez-en un peu plus sur le Japon et sa culture. Shogotsu. Shogatsu, la bénédiction. Cacao. La bénédiction des maisons du nouvel an. Et il y a un petit blabla du coup sur le nouvel an. Vous pouvez le lire si mais vous voulez. J'ai déjà montré. Ah bon, pardon. En plus, tu montres pas. Allez, c'est moi qui ouvre le premier item. Ok, c'est du journal. Du journal. Mais regarde pas. Non, j'aime bien. Mais et regarde. Il y avait que du journal. Alors on a. Oh, cette voix. Il y a Son Goku, il y a Tsunemi. Bon, on va vous montrer. C'est un allume-feu en fait. On met ça pour attiser les flammes dans la cheminée. Mais non, regarde, il y a Shiba, il y a Son Goku, il y a Tsunemiku et il y a le petit chat de Ghibli. Ça va être Kiki la petite sorcière au centre. Alors, du coup, et le chien, il s'en bat les steaks parce qu'il regarde du mauvais côté en fait. Il a pas compris. La photo, il a pas compris dans quel sens elle était. Ouais, je pense que c'est on doit mettre ça sur les portes, non? Comme ça, ça fait un petit battant sur la porte. Ouais, ça a l'air d'être sur la porte. Moi, je trouve ça mignon. Allez, c'est à toi. Ah, moi. Alors, du coup, c'est tout doux. Ça va être une peluche. Oh, oh c'est un... C'est une patate Pikachu. Une patate. On dirait un... Comment ça s'appelle? C'est un Pikachu qui ressemble à Deden, je crois, non? Deden. Togedemaru. Togedemaru, ouais. C'était celui-là, celui de foudre. Hop, et de l'autre côté... Une patate Pikachu. Faut que tu te caches ta tête. Je cache. Voilà. Parce que moi, Pikachu, il me fait. Et non, il est vraiment pas mal. Hein. Oh, mais il est trop beau. Quoi. Et il est tout doux. Enfin, franchement, il est doudou. Il est doudou, il est tout doux. Je peux pas vous montrer le fait que ça soit doux, mais. Bah, si, regarde, bleu. Non, mais ça, c'est juste que c'est moelleux. Enfin, c'est. C'est voilà, quoi. C'est un mochi-mochi. C'est ce que je pensais. C'est des peluches toutes molles et toutes douces. C'est un nom qui se mange, je trouve. C'est pour les 20 ans de Pokémon. C'est pour Pokémon The Movie. Trop bien. Allez. Moi, j'aime bien. À moi. Ça fait une de plus derrière nous. Ah non, pas besoin de me cacher. J'allais pour me cacher. Et puis... Alors, oh, oh Mario super. Et montre. C'est à faire ou... Je sais pas trop. Parce que je vois un moule de l'autre côté. T'as pas montré l'autre côté. T'as pas montré l'autre côté. Je montre l'autre côté. Voilà. Alors, j'ai l'impression que c'est un moule à chocolat. Ah ouais, non. On l'ouvre ou pas? Ouais. Allez, on va l'ouvrir. Ah, on voit ça proprement. Bon. Je crois que le scotch va être mon ami. Ouais, c'est ça, c'est un... Oh, ça sent le chocolat, il y a du chocolat dedans. Ah. Oh, ah oui, d'accord. Ça donne pas envie de le manger. J'ai cru que c'était un moule, mais en fait, non. La tablette est là. Ça, c'est là, le chocolat. Cache ta tête. Bah oui, mais bon, il fallait montrer. Voilà, c'est bon. Yoshi! Alors, je pense que ça doit pas être... Ah, c'est en plus avec des petits grains de riz. Je sais pas si on voit. Enfin, je dis riz, mais je sais pas vraiment. Si c'est... J'aurais du mal à le manger. Ouais, mais on l'a ouvert, donc... Oui, bon, bah, on va le manger. Allez, à toi! C'est creepy. Je sais pas ce que c'est, mais il y a quelqu'un qui s'est fait décapiter. Par contre, t'as Camille. Qui s'est fait décapiter et on lui a enlevé les cheveux. Enfin, on dirait vraiment une petite poupée. Oh, j'aime pas du tout. Ah, mais c'est un gâchapon quand même. C'est un gâchapon? Ouais, pour enlever, il y a une sorte de. De plastique. De saleté plastifiée dessus. Je crois que c'est toujours, pour l'instant l'item que j'ai moins apprécié des V-Box. C'est pas possible, à chaque fois que c'est pour moi, à chaque fois j'ai une tonne de. Et moi, quand j'ai fait le low class là, oui, avec les petites algues qui se baladaient, le sol bleu qui se baladait, l'eau qui se baladait et que j'arrivais pas à monter. Hein? Ouais, mais moi ça se balade pas. Bon, je mets ça là. Oh, tu m'as lancé par terre sur le tapis. Oh, c'est. Oh. Il y a le corps dedans. Ah. Mais. Est-ce que c'est Tales of. Ah non. Non, c'est le. Comment il s'appelle là le... Ah, c'est Doraemon. On peut avoir tout ça. Oh, ça chlingue. Ça sent la colle. Camille, ta tête. Youp. Voilà, on peut avoir tous ces petits machins et nous on a le. On a la femelle. On a le truc dégueulasse là, malheureusement. Ah
Elle a tout fait casser. Non, rien n'est cassé, c'est juste tombé. Hop, voilà, on a celui-là. Alors. C'est Dogamon, comment t'as dit ça? Oh, il y en a un qui est excellent, il a une souris sur la tête, ici. Attention, Camille, ta tête. Oui, mais je peux pas l'enlever, je sais pas comment la figurine. Voilà. Et là. Ah, il est moche. Oh non, il est vraiment moche. Il est vraiment moche. Voilà ce que ça donne en réalité, on va dire. Ah, j'aime pas du tout, sachant qu'on aurait pu avoir Dogamon avec... Dogamon avec Ratatouille sur la tête, c'était beaucoup mieux. Ah oui, avec une petite souris, j'aurais préféré. De toute façon, bon. Ça par contre, je le cache pas, ça va être rangé dans un truc... Ouais, ça va. Parce que j'aime pas du tout, ça, franchement. Ça va. Alors, on a un gros item, un moyen item et un petit item, Frankel. Puisque tu veux, en le premier. Alors, Oh, une boîte en carton, bah dis donc. Une boîte en carton, elle est merveilleuse. On est sur un espèce de vert jaunâtre de qualité. De qualité. Alors, oh. Ah, c'est un petit... C'est une petite coupelle. Pour sauce soja ou sauce n'importe quoi. Au pire, tu mets ta main devant. Au pire. Voilà, petite coupelle. Avec le mot Fushi. Ouais. Trop mignon. Franchement, elle est plutôt bien. Hein. Ouais, j'adore la petite vaisselle. Régulièrement, ils mettent de la vaisselle en porcelaine dedans. Ouais, bah là, elle est vraiment bien. Elle est très très bien. C'était les chats qu'on a vu la dernière fois. Non, le petit lapin. J'ai préféré le lapin par rapport à celui-là, mais il reste quand même très très bien. Ah oui, effectivement, il y a... Oh, la boîte est belle. Une grosse boîte. C'est des gâteaux. Et derrière, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il écrit? Je sais pas ce qu'il fait en japonais. Ah. Attends, non, ça se parle dessus. Oui, oui, bah c'est moi qui l'ai pioché, c'est moi qui l'ouvre. On dirait une version de Box Happy Meal. Oh, c'est... C'est quoi? Des gâteaux. C'est des beignets, on dirait des petites merveilles. C'est comme ça. On va goûter en direct. Ah bah carrément. Franchement. Oh mon dieu, mais c'est énorme. Ah oui, c'est croustillant. Un goût de beignet qui serait oublié quelque part dans un coin. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon, mais c'est sec. On dirait du chichi froid, mais beaucoup plus dur. Tu as été trop cuit. C'est pas mauvais. C'est comme des croutons, mais sans la sucre. C'est un goût de beignet, ouais. Pas mauvais. En plus, il y a différentes formes et tout. Bon, bah, suivant. Attends, il y a un petit item. Qui fait gling gling, il y a un gros item qu'on va garder pour la fin. Oh! Un chat, un chien? Bah, un chien, Benjamin, c'est l'année du chien. Cache ta tête. Bah là, tu me la caches. C'est un petit strap pour téléphone, on dirait, Shiba. On les miettes. Tu mets des miettes partout sur le téléphone. Oui, bah c'est un strap pour téléphone qui fait gling gling gling. Ouais, mais en fait, tu caches pas ta tête, donc du coup, on voit pas. Ah! Voilà. Je pense que c'est bon. Ah, tu montres le gros item, je pense qu'il n'y a rien d'autre. Faut que tu sortes de la boîte pour faire du sachet. Comment ça? Le chien, sors-le du sachet. D'accord. Oh. C'est Full Metal Alchemist? Oui, c'est ça. C'est une autre figurine de Furuyu. C'est un peu la... Je sais pas si c'est la bonne qualité. C'est la même qualité que la figurine d'Atsune Miku qu'on avait eue. T'as mis où le... chien? Non, mais merci le chien, mais... Le cutter. Alors, le cutter, il est ici. Merci. Non, je pense que c'est la même qualité que la Atsune Miku qu'on avait reçue cet été. En septembre, il me semble. Je vais te la montrer. Non, il y a encore... Non, c'est bon. On va peut-être se focaliser sur cette boîte-là, ça sera plus convenable. Désolé. Hop. En tout cas, elle a l'air plutôt pas mal. Ah oui, c'est bien, elle est bien protégée. Là. Bien protégée comme ça, avec son petit carton pour qu'elle prenne de choc, et puis le papy-bulle. Le fameux papy-bulle. Hop, voilà. Alors, il y a le socle qui a monté sur la figurine. Il y a encore du scotch. Ah ouais. Oh bah c'est simple. Il y a des petits compartiments comme ça en fait. Hop, et pareil pour le sens. Donc la figurine. Ouais, ça ressemble sans son socle.
Camille, ta tête. Hop. Elle est vachement belle. C'est moi qui mets. Non, bah c'est. Mais c'est moi qui mets. Hop, voilà. Donc ça, c'est le grand frère, il me semble, des deux. Alors là, je connais pas du tout. Je pourrais pas te dire. Il y en a un des deux. Enfin, il y a deux frères. Je sais juste qu'elle est plutôt pas mal comme figurine. Franchement, elle est vraiment très très bien. En fait, ah si. C'est le même socle en fait que, ouais, que la plupart des figurines qu'on achète dans. C'est quoi, une vingtaine d'euros? Ouais, c'est une vingtaine d'euros ce genre de figurine là. Hop. Et hop. Voilà. Et voilà le résultat. Ta tête. Elle est plutôt pas mal. Hein. Voilà. Je pense qu'elle va aller sur l'étagère avec l'attaque des titans. Oui, je pense que ça pourrait rentrer. La petite cape avec le symbole. Alors, je pourrais pas vous dire si c'est un groupe, une team ou un truc comme ça. C'est un symbole alchimique surtout. Ouais, mais je sais pas, enfin je connais pas, donc t'as l'air de connaître, donc vas-y, donne des infos. Vaguement, hein, plus de noms qu'autre chose. Non, là plutôt très bien. Elle est belle, hein. Mmh. Elle est vachement sympa. Donc voici, voilà. Voilà, c'était une box plutôt sympathique. On va faire une petite review, non? À part celle-là, la figurine. On remonte les petites peluches, la figurine. Voilà ce qu'il y avait dedans. Et plus le petit bol. Le petit bol, on a trouvé très sympa. Vraiment, il y avait pas mal de choses intéressantes. Le petit strap. Ouais, là, hop, ici, Camille. Et le petit bidule de porte. Ouais. Hop là. Ouais, par contre, ça c'était vraiment pas top. Hein. Je sais pas ce que ça donne si on tombe, enfin si on était tombé sur autre chose, mais je le trouve très moche. Bah, celui-là ça fait gadget quoi. Ouais, par contre, le reste, alors la peluche Pikachu, mais elle était vraiment moi, très bien. C'est deux items. C'est lequel ton préféré? Ah, le Pikachu. Pikachu, j'aime bien. Parce que ça après, je connais pas, donc ça reste une très bonne figurine, mais. Et toi? Moi, je pense que j'aime beaucoup le petit. La petite décoration de porte. Mmh. Et le Pikachu, elle fait mes tâches. Ouais, on va dire. Le Pikachu. Ah non, on en a déjà 40 des Pikachu. Peut-être celle-là, parce que je la trouve vraiment sympa et j'aime bien avoir des jeux. Bah, j'aime bien ta tête. Bon, oui. J'aime bien ta tête. Et j'aime bien avoir les petites figurines comme ça. Et elle est plutôt, ouais. Plutôt sympathique. Non, bon, voilà, c'est une bonne box. Ouais, en plus, on a eu des choses à grignoter pendant la vidéo. C'est ça. Voilà. Bon, allez, merci beaucoup. Salut, salut, salut.